Salut à tous. Je vous fais une petite vidéo concernant la rouille. Pour enlever la rouille sur des outils, j'ai fait l'essai. Alors il y a différentes méthodes qui sont mises, notamment tout ce qui va être le fameux Coca. Résultat zéro. Là j'ai fait l'essai avec du vinaigre pur. Donc j'ai acheté en grande surface. C'est un bidon de 5 litres. Degré, 10 degrés, le vinaigre, donc pas grand chose, hein. Je crois que les 5 litres, ça m'a dû me coûter maxi 3 euros. J'ai fait le test, donc là ça fait un petit peu plus de 24 heures. Donc j'ai juste plongé les outils, j'en ai forcément laissé ressorti, puis vu la taille du seau, de toute façon c'était compliqué de les intégrer complètement. Mais ça va vous permettre de découvrir ensemble en fait le résultat. Donc là si je prends ne serait-ce que cette clé-là, voilà, vous avez l'avant et l'après. Donc ça marche plutôt pas mal quand même. Même très bien. En sachant que vous voyez un peu l'état de rouille. Hein. Je vais en prendre d'autres. Bon, celui-ci. Il était quand même bien attaqué. On voit que ça a quand même bien enlevé, mais pas assez. Je vais relaisser plonger un peu dedans, mais si jamais... Ouais. Alors, il y a une autre technique. Il faudra peut-être que je l'essaye. C'est de mettre de la soude avec le vinaigre. Si je prends... Et on voit quand même que ça marche quand même vachement bien. Donc si vous avez des outils qui sont pas trop rouillés, ça peut valoir le coup quand même de... Parce qu'on voit que ça marche plutôt pas mal quand même. Hein. Ça marche plutôt pas mal. Ah bah ça c'est nickel. Donc là je devais plus avoir de la rouille de surface, moins incrustée, parce que ça a quand même vachement bien décapé, je suis épaté quand même. Juste avec du vinaigre. Donc vinaigre blanc, hein, le classique. Donc celle-ci un peu moins bien, mais ça a quand même pas mal attaqué. Peut-être qu'il faut que je laisse encore, mais ou que je frotte un petit peu avec une brosse. Là, je vous fais tout ça en live. Hein. J'ai rien défait avant. Ouais. C'est quand même pas mal. Il a peut-être fallu que je les bouge aussi un peu pour que ça soit... assez homogène parce qu'on voit que là il y a un côté et que l'autre bat moins bien. Donc ouais, c'est quand même pas mal du tout. Hein. Donc voilà, petite vidéo courte mais pour faire voir un peu l'effet du vinaigre blanc. Moi je vous dis 5 litres, grande surface, 3 euros. C'est quand même pas mal du tout. Je vais relaisser plonger encore dedans un peu. Mais ouais, là on voit, vous avez pile poil la démarcation, on voit vraiment qu'il y a de l'effet. Donc sachant que c'est des outils que j'ai récupérés moi, qui n'avaient pas été utilisés depuis des dizaines d'années en fait. Hein. Ouais, c'est quand même vachement bien. Donc voilà, petit tuto, petite vidéo pour vous faire voir au niveau de la rouille. C'est quand même plutôt pas mal. Ça marche plutôt pas mal le vinaigre blanc. Voilà, bah, espérons que ça puisse vous aider un petit peu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce bleu comme d'habitude. Si vous n'avez pas aimé, bah, désolé. C'était juste une petite vidéo pour essayer de vous aider ou faire voir ce que moi j'ai fait en tout cas. Je pense que je vais réessayer la même chose mais avec du vinaigre et puis de la soude. En espérant que ça fasse un peu du mieux, mais vous voyez. Là, une vieille lime. On voit que ça attaque bien en surface quand même. Donc là, vous avez vraiment le avant-après. Voilà. Bah, écoutez, à bientôt pour une autre vidéo.